Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière épreuve de la haute route. Cette fois-ci c'est le circuit qui s'appelle The Pretzel. Celui-là il est balèze parce qu'il y a 72 km et 1300 mètres de dénivelé. Donc on est parti pour quelques heures. Je ne vous cache pas qu'il y a la fatigue accumulée de la première épreuve, puis de la deuxième épreuve. Donc là c'est la troisième et dernière, donc c'est parfait. On va pouvoir se finir comme il faut. C'est parti! Côte à 6% là. On se fait un petit peu. On se donne chaud. Allez, ça repart. Allez, 10%, bip, 8-9. Donc là, je suis dans le groupe des 2500 centièmes. Pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Il y en a 1000 autres derrière. Bon, il y en a 2500 devant. Mais... En tout cas, c'est vraiment la première fois depuis plus d'un an et demi que je fais du Zwift qu'il y a autant de monde sur un événement comme ça ouvert à tous. C'est vraiment génial. Au bout de 10 minutes, petite côte, entre 7 à 10%, on se chauffe dès le début là. On est dans un faux plat à 3%. Aujourd'hui, je vais passer le premier plateau plus souvent que ces autres épreuves. Croiser la chaîne dans tous les sens. En haut à droite, vous voyez le dénivelé. Il y a le 6% qui est affiché en gros, mais juste en dessous, à moins de 2 cm, on voit l'inclinaison totale. On voit que ça va grimper pendant un bon moment. On a presque fait la moitié de la montée au total. Donc là, ça monte à 6%. Le point positif de cette longue sortie, c'est que vu qu'il y a 72 km et 1300 mètres de D+, le dénivelé va être réparti sur l'ensemble du parcours, enfin j'imagine. Allez, on y retourne. Donc toujours dans les 2500 et quelques. Voilà, premier plateau, on va se mettre ça. On va sentir les watts, premier plateau. Ce serait mieux. Petit brouillard. Chaud là, on remonte du monde. C'est des points en plus dans le mental ça. Ou alors c'est de la fatigue anticipée. Jusqu'ici tout va bien. Ah, il y a une petite descente là. Virtuellement ça fait du bien. Donc là, on l'a fait hier, petit toboggan. Là, j'ai chaud, hein, même avec le ventilateur. Il fait 20 degrés dehors. On aurait dû faire le marathon de Paris aujourd'hui. Ça remonte. Ça y est, je vois l'arche. Bon, allez. On va faire un peu. Pour le fun. Là, je suis à 4,3 watts au kilo quand je suis comme ça. Donc là, il y a le logo de la haute route au-dessus de l'arche, enfin sur le haut de l'arche. Boum. Non. Ah, c'est plat. J'ai mis 32 minutes 52 à monter. Ce qui me place dans les 2280e. Oh là là, on repasse par la gauche. On fait bien l'exo complet. On sépare hier avec la montée à 12-13%. Allez, allez, c'est reparti. J'ai essayé de rester à 150 BPM finalement. Par contre, la cadence, elle est pas bonne. Je suis au moins au double 400 mètres d'altitude. Je suis 2400e là.
on voit que je me fais pas doubler, donc je suis dans un groupe qui a mon niveau. Ou alors c'est les résultats de l'entraînement express sur les deux derniers jours. Allez, on va sortir de l'ombre vers la lumière. Voilà. On voit l'antenne au loin. Parfait. C'est l'arrivée. Enfin l'arrivée. L'arrivée au sommet. Je force pas mal là, mais ça se passe bien, donc je continue. Voilà, on voit le panneau. 500 mètres d'altitude. On arrive sur du plat. Enfin presque. Quelques mètres. Et voilà. Voilà, la cadence se remet à fonctionner. On voit passer. 516 mètres. Ouais, ben. Petit col. Allez, plus de 56 km. Donc là, je déroule les jambes, hein, vu qu'on est en descente. Je mets un peu de sauce. Allez, 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 allez. On est chaud là. 5,8 watts au kilo, j'ai vu. Je passe la bosse. On en profite. C'est la dernière étape d'un week-end plutôt chargé. Donc je donne tout hein, dans ce dernier. N'hésitez pas, petit pouce bleu hein, pour m'aider dans les moments difficiles. Ça me fait super plaisir. Donc là, on est sorti de la neige. On arrive vers la plage. À gauche, là, vous voyez l'hydravion. Niveau cardio, je suis à 156. Encore 47,6 km. Allez, attention à la borne. Top. 2% pendant 2,4 km. Ouais, je me mets devant mon groupe là. Je vais peut-être pas tout cramer non plus dès maintenant. Petite montée à 4% là. En instantané. Mais au total, seulement 2. On voit l'arche d'arrivée là du segment Zwift KOM. J'essaie de relancer un peu, mais. Alors, 5 minutes 56, je suis 2102e. Il y a encore une super statue à droite. Ça, c'est deux personnes qui courent. Là, il y a une annonce pour un sprint de 200 mètres. Bon, je vais relancer un peu. Je vais voir un peu ce que je peux faire. J'ai envie de jouer le jeu à fond là aujourd'hui. Donc on va tout donner. Voilà, c'est là le début là. Vous voyez, il y a une balise. J'ai vu du 600 watts, 14 secondes 12. Ok, ça c'est le truc à pas trop faire. Hein. Allez, je passe en tête de ce petit peloton. On va essayer de remonter. Ah, je suis désolé pour le bruit. Je pense qu'on va raccrocher hein, le groupe devant nous. Sympa, il me laisse passer devant. Attendez, je vais forcer un peu. Et voilà, on retrouve nos petites statues là des deux cyclistes. Je vais essayer de rejoindre le petit groupe devant. Je suis 2282e. J'accélère pour ne pas perdre le peloton devant là. Il y a un bon petit groupe. On va repasser dans l'hydravion à droite. Dans l'autre sens cette fois. Donc là on va se refaire la côte. Et dans l'autre sens. Et après ça, on aura terminé, je pense, avec les côtes. En tout cas, ça va faire mal. Je repense au petit sprint tout à l'heure. C'était peut-être pas une bonne idée. Là, on voit tout en haut à droite. Vous voyez la belle pente là. Donc on va attaquer ça brillamment. Donc là, on voit bien ce qui nous attend devant. Et ça grimpe. Voilà, le petit panneau, 100 mètres d'altitude. Et ça monte et ça monte. 9%. Hop, et le mur direct. À 10%. Voilà, 1000 mètres de dénivelé. Là, on voit que ça ne doute pas des masses. Là, hein. Tout le monde se suit, vous voyez, jusqu'au bout.
côté cardio, ça va très bien. Mais alors les jambes, là ce troisième jour, c'est vraiment difficile. Hein. Voilà, on passe le panneau, 200 mètres d'altitude. On avance, on arrive à la montagne, on voit la neige. En tout cas là, je sais pas combien il fait, hein, mais il fait très très chaud. D'après le petit graphique là en haut à droite, on devrait être à la moitié de la bosse. Donc on aura monté les deux flancs de la montagne. Si vous demandiez sur Zwift s'il y avait des sorties comme ça avec du dénivelé, il y en a pas mal, on les aura vues durant ces trois épreuves. Hein. Je récupère un peu là, c'est presque plat. Je me demande si on va aller jusqu'en haut, là où il y a l'antenne radar comme tout à l'heure. 1200 mètres de D+. N'hésitez pas hein, à mettre des petits pouces bleus hein, sur la vidéo. Ça me donnera des forces hein, pour monter. Faut pas croire, oh là là, il me dit plus que 700 mètres. Ça, ça redonne de l'énergie. Hein. 700 mètres, bon, on va peut-être mettre une heure, mais 700 mètres. Rendez-moi mes jambes. Un petit bout de plat là, ce profil. Alors, est-ce qu'on va à droite vers l'antenne radar? Ben, j'ai pas l'impression. Oh, quelle tristesse! On va pas se rajouter une petite pente à 13% pendant 20 minutes. Ah, je suis très triste. Ah, la descente me va très très bien. Ouais. Et là, on repasse l'arche de la haute route, mais dans l'autre sens. Là, on descend à 64 km/h. Tranquille. En tout cas, moi je déroule les jambes, là ça fait trop trop de bien. Il n'y a plus aucun effort, forcément je suis en roue libre. Au moment où je dis ça, on se reprend une bosse à 7%. Allez, 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 on la défonce là. On y va. Parce qu'on en a marre, hein, on n'est pas là pour dormir ici. On y va, on y va. Ouais, 300 watts, non, on est complètement dingue. Allez, allez, on double en même temps. Le cardio s'envole. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Voilà, on repasse dans le brouillard, comme à l'aller. Enfin, c'était il y a plus de 2 heures. Bon, j'essaie de rester fort hein, et de rester dans mon peloton. Voilà, donc là on arrive dans la plaine, le soleil, l'herbe, les petits sapins. Je suis toujours dans le peloton. Je relance même dans les descentes. Oui, je suis complètement malade. Vous comprenez, il n'y a plus que 12 km. Alors j'essaie d'en profiter un maximum. Le home trainer rugit. Je suis toujours dans le peloton. Hein. Allez, moins de 10 km. Donc là on arrive sur le plat avec les petits palmiers, en tout cas niveau chaleur, il fait aussi chaud dans le jeu que dedans je pense. Ah. Oh là là, ça me fusille. Plus que 6 km. Qu'est-ce que c'est que 6 km? Mettez la réponse en commentaire. Hein. Voilà, il y a Monsieur Chambers, il dit que le troisième jour c'est dur. Je suis entièrement d'accord. Là, on a vraiment eu 3 jours exceptionnels. Merci à la haute route et Zwift hein, pour cette organisation. Ça fait 2h39 qu'on pédale. Il reste 3,6 km. Il y a une zone de sprint. Allez, on y va. Là, on est fini. C'est le meilleur moment. Bah dommage, les jambes m'ont lâché là. Je suis parti trop vite aussi. 103e. Ça va. 2317e. Donc là on a un petit groupe de 4. Je sais pas s'ils vont accélérer à la fin là. Donc, je vais commencer à ouater un peu parce que je vois qu'ils accélèrent. Allez, allez, on donne tout là.
suis à 6,3 watts au kilo. Ah, j'accélère trop tôt, j'ai plus de jus. Bon, il reste derrière. Oui. Et voilà. Voilà, donc là j'ai débloqué le kit de la haute route des 3 jours. Sacré morceau. Donc là, 2224e, 165 minutes. J'ai fait 169 watts, ça fait du 2,3 watts au kilo et 144 BPM de moyenne. Donc là, je vais aller me reposer. C'est vraiment des très longues épreuves. C'est assez difficile, mais c'est vraiment super quoi, de pouvoir s'entraîner comme ça. Donc voilà, vivement la prochaine. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo hein, si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. On est déjà plus de 900, donc c'est complètement fou. Voilà, depuis le confinement, je vois que les stats explosent, donc bah, c'est super. Hein. Je vous remercie en tout cas d'être là. Et je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. A plus, ciao!